Salut tout le monde, ici Snektou de retour avec A Way Out. Partie 9, c'est ça? Ouais, je pense que c'est 9, oh mon dieu, pense déjà que c'est la partie 9, déjà ça file d'une vie de... J'ai l'impression qu'on a commencé au début de la semaine. Oh mais attends, c'est totalement le cas. Bref. Trolling BDM, un résumé de l'épisode précédent. On a trouvé ma femme qui a accouché, on s'est évadé de l'hôpital à toute vitesse. Oui, et avant ça, surtout, on a sélectionné nos armes, qu'on va bien utiliser pour... car on est sur le point de partir buter les Harvey au Mexique. Oh, trop bien. Donc, on avait aussi décidé de continuer en atterrissant plutôt que de se balancer avec... sauter en parachute. Voilà, parce qu'on s'est dit, sait-on jamais, peut-être que finalement... Ah, il y a encore des fléchettes. Ouais, il y a encore des fléchettes, mec. Oh putain. T'es sérieux? Ok, attends, j'arrive. Oui. Allez, voilà, on commence bien cet épisode, moi je dis. Nick sa mère à la mission, à la vengeance. On va jouer aux fléchettes. Et l'autre, elle est là en mode, hey, les gars. Non, hey, oh. Voilà. Essaie de faire mieux. Sérieux. Yep. Comment tu Allez, veux que je fais mieux que ça. Ah, ça va pas être possible. Moi, je suis super loin de ma télé, hein. Je vois pas le réticule de visée. Je vois rien, je te promets. Alors attends. C'est l'excuse typique des non, gens qui... Non, c'est pas une excuse de ça, je te jure. Yep, I'm the best. Oui. Voilà, tu vois. Ah, ma visée, le réticule est trop loin. Non, je te jure, j'y vois rien. Bullseye. Je vois rien du tout. Ouais, je te jure, je vois rien. Tu parles. Regarde-moi ça. Ah, ouais. Oh non, je vois rien. Bon, là, allez, on décolle maintenant. On arrête de déconner. Il est trop loin. Oh, mais oh, t'es pas sérieux. On a le droit à tout. Allez, attends, je vais faire ton spotter. C'est génial. Je sais jamais, tu t'étouffes. Oh. Tiens. Pour te motiver. C'est bon, ça me motive bien. Je vois le paradis. Oh, Seigneur. C'est de plus en plus dur, alors, c'est ça? Ouais, c'est de plus en plus dur, ouais. Allez, vas-y, t'es un balèze. Allez Vincent, faire 10. Allez, on y va. Hop, hop, hop. You're the best around. No one's gonna have to keep it down. Allez. Oh, putain, c'est chaud. Les 10, putain. Ah non, t'es foutu, regarde ça. Comment tu veux y arriver? Ah non, c'est bon, laisse tomber. Ah non, il va se chier dessus. Le pas les 10. Il va se chier dessus. Bon, je suis obligé d'essayer maintenant. Vas-y, vas-y. Bordel de merde. Bon, moi, on aura vraiment tout essayé ici, hein, je pense. Je te juge. Oh merde, il me juge. Qu'est-ce que... Ah merde. Quoi? Tu sais pourquoi je viens de faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce Parce qui s'est passé? Pour l'instant, je suis en train de jouer à Yakuza 6, et dans Yakuza 6, il y a un mini-jeu où tu dois faire ça, sauf que c'est cercle. Et du coup, le réflexe mental... Le réflexe du jeu. Voilà. Le réflexe à la Yakuza. Voilà. Ok. Fou. Ok. Ok, jusque là c'est assez simple. Ouais, 8. Ah, c'est chaud à partir de 8, hein. Ouais, t'as vu? Ouais. Ok. Allez, fais le dixième. Fais le dixième. Ah. Putain. Allez, ah. Je suis en train de mourir, mec. Tu m'entends taper sur la manette? Je t'entends. Ah non, je peux pas. Non, on arrête. Ah ouais, voilà. Il n'arrive pas le dixième. Oh la vache. Bon allez, ouais. Je débranchons le tuyau voilà. De carburant. Super, on s'est niqué, comme ça on va bien rater maintenant à chaque fois qu'on voudra tirer sur les gens. Alors là, il va tellement nous voir, genre épuisé par un truc. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Oh, on a joué à Grenade Brothers. Bon, ouais, trolling, vas-y, arrête de traîner. Mec, il y a encore. On doit encore ouvrir les portes du hangar et déranger le carburant. Oh, c'est pas vrai, mais putain, quoi. Allez, oh, on va ouvrir les portes. Bah, ah ouais, non, faut l'ouvrir encore plus que ça, c'est ça? Ouais, non, ouais, bien sûr. Là, elles sont ouvertes, mais on va pas sortir l'avion comme ça. Hein. Oh là là. Voilà. C'est beau un hangar quand même. Au pire, on fait. J'ai vu une vidéo d'un avion qui était en train de rouler sur un périph américain, mec.
Ah ouais, bah, Airbus, pourquoi pas. On peut faire pareil, hein, moi je dis. Non, mais moi je dis tant que tu respectes les limitations de vitesse. C'est ça. Waouh, quand même. Ok. Cool. Et voilà. Notre avion. Bon. Maintenant, tout ce que je veux, c'est qu'on atterrisse dans la jungle, qu'on trouve des vieux artefacts aztèques. Et qu'on commence un épisode d'Uncharted 5. Exactement. Magnifique. Tu le sens, l'aérodynamisme? Mon contrôle vibre. Là, je me demande comment serait le gameplay lorsqu'on sauterait par avec parachute. Ouais, je me demande aussi, mais à mon avis, ça aurait peut-être été juste une QTE vite fait pour. Peut-être qu'il y aurait eu des complications avec le parachute. Hein. Je pense que oui. Ouais, connaissons la malchance de l'eau de pote là. De Léo. Ouais, surtout de Léo. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Non, non, je t'écoute pas, non. Okay. Non, 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 non. Non, non, non. You should write her a letter. Non. À l'ancienne, c'est bien ça. Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter. And it worked. I laid it all out. Je veux pas savoir quel genre de lettre il a écrit ce mec. Cher Linda, veux-tu sortir avec moi? Oui, non. Love me or I'll punch you in the face. I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know. Anyways, look, I'm just saying it was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah. I mean, it was just an idea. It's just, anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Le silence gênant. Ok, on atterrit tranquillou. On atterrit. Ah, regarde-moi ce bel atterrissage. Ah, c'est vraiment une pro. C'est l'âge boum. Wow. Excellent. Heureusement, cet avion n'était pas piloté par Joseph Joestar. Bah, ça dépend qui y avait à bord, déjà. Ah, ouais, ouais. Il n'y avait pas de bébé manieur de Sten non plus, donc tout va bien. Voilà, non plus. Donc, c'est bon, on n'a pas eu de problème sur ce niveau-là. Over there! We'll be back in less than an hour. Take it easy out there. See you soon. Okay. Oh ouais, en moins d'une heure, mais on va jamais réussir en moins d'une heure. Et sort les armes. Oh ouais. God bless la NRA. Wow. Et on a les machettes. Regarde ça. Let's do this. Le glaive de la puissance. Oh, regarde-moi ces deux badass. Trop bien. Léo et Vincent sont deux guerriers incroyables. Ils ne se déplacent qu'en roulant les poulets. tu les entends faire des oui. Tervé. Un petit mammifère vient de faire un cri étrange. I told you, it's a walk in the jungle. You get it, right? Voilà, là on est dans la jungle. Oh, on peut bien manier la machette. Vas-y, manions la machette. Tiens, prends ça, mère nature. Moi je dis, je suis sûr qu'il y a un artefact caché quelque part par là, tu vois ce que je veux dire. Où est l'arche perdue, putain? Oh, mais non. Ah, oh, j'ai cru. Oh, j'ai cru que c'était un tombeau, un truc comme ça, mec. Mais en fait, c'est la carte d'une voiture. t'es sûr que ça va à la vue ou? En même temps, ouais, bah c'est un trésor, hein, tu me diras. Putain, trop bien. T'as vu ce qu'il a dit? Non, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit « On est au Mexique, mec, tout est possible. » Ah voilà, bah ouais, mec, c'est vrai, tout est possible. Mexico, Mexico. Alors. Ah, fougère. Qu'on est, putain. J'enchaîne les coups de machette. Putain, regarde. Tu cours et tu donnes des coups de machette, allez. Mais même pas. On va faire tout jeu comme ça, genre. Oh ouais, mais non, mais on est comme ça. Virtuellement indestructible. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know. Gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong.
Les autres mecs qui foncent avec une machette comme ça, on met toute vitesse vers les mecs armés. C'est superbe. C'est vraiment une belle jungle, je trouve. C'est, elle est très très bien modélisée. On se croirait dans Snake Eater. Oh oui, sûrement. Mais... Ouais, oui, mais là, il faudra que tu me donnes un coup de main, là, pour... Allez, vas-y. Dépêche-toi, gros lard. Allez, attention. Oh, putain. Come on. Ah bah, nickel. Bon. Ça y est, on y est? On y est. On est arrivé à l'hacienda. Ok, ils sont que deux. Est-ce qu'on est vraiment obligé de les tuer avec... Il y en a plein. C'est ce que je me disais. Ouais, on a plusieurs manières de le faire, moi, je dis. Moi, je pense qu'on devrait peut-être... Ouvrir le feu ou on y va Justement, parler de Snake Eater, je pense que... Ouais. Je pense qu'on peut d'abord essayer d'y aller à la Snake Eater. Vas-y, ouais. Colonel, on est arrivé à la jungle. Attends, par contre, parce que... Si je ne m'abuse... Essaye à dire où ils sont. Bah oui, ils étaient plus ou moins... Ah ouais, ça va, je les vois. Bon, va falloir que tu viennes par là. Ok. Et à 3, on y va tous les deux. Attends, je vais me mettre par là. Ouais. Voilà. Ouais, le problème, c'est qu'il y en a un qui se promène par là, tu vois, donc... T'es prêt? Non, attends. Parce qu'il y en a un qui se promène par là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là il nous voit pas, il a le dos tourné. Ok, t'es prêt? Ok, on y va, go. Merde, il nous a vu celui au fond. C'est vrai? Bon, c'est pas grave, on les a quand même chopés. Je veux dire, là ils ont solo, le gars. Ah, il y en a d'autres par là. Ok. Wow. Ok, là le... Je lui tire dans la tête et... Ah la vache, il a une tête par balle. Trop bien. On joue quelle difficulté déjà? Normal. Ok. Ok, c'est bon, je l'ai eu. I think that's all of them. Bon, y'a plus personne. Bah, a priori, non. On est des machines à tuer. Est-ce que c'est par là? Non, c'est pas par là. Ah, j'aurais cru. Bah c'est par là alors. Bon, allez, on y va, hein. Je te suis. Bon, ça s'est plutôt bien passé. C'est juste le début, hein, calme-toi. On est toujours vivant. Pas pour longtemps, moi je dis. Oh putain. Voilà. Tu vois, pas de problème. Oh, oh putain, sniper. Sniper, sérieusement. Yep, sniper, sérieusement. Non mais ce gars il a une mini armée à sa botte en fait. Putain, je me suis perdu un moment, je regardais ton écran à toi pour voir mes mouvements à moi. Wow. Alors attends. Faut compter le nombre de tirs. Je crois. Ok. Oh la vache. T'as vu, c'est toi ma couverture. Oh, t'inquiète. Oh putain. Il suffit juste de respirer 10 secondes et c'est bon, t'es reparti. Ouais, heureusement, tu es le Wolverine. et tu te régénères. Ok, ça va. On est encore en vie. Oh ouais, carrément. Je te le dis, ouais. Mec, on est dans Snake Eater. I'm still in a dream, Snake Eater. Si on croise un membre des Cobras, là on est mal barré par contre. The pain. Merde. Fear. Allez, merde, laisse pas monter. Voilà. Bon. Non. C'est bon, je l'ai. Okay. Maintenant c'est toi le sniper, mon vieux. Yep. I could come in handy. It, cover me. Je te coupe. Ah, il faut que tu me couvres, ouais, effectivement. Ok, ça va, on les gère.
On les gère, on les gère. Mais qu'est-ce que... Mais je tire sur... je tire sur la tête et... Il a mis un cheat. Ouais, ça va, t'inquiète, je me suis occupé. Ils sont morts, ils sont morts. Le gars, il a mis le cheat. Qu'est-ce que c'est que ces mecs, ces surhommes invincibles, là? God mode. Ah, il en reste encore quelques-uns. Pas de soucis. Ouh là 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 là. C'est bon. Voilà. Oh, voilà là là. Mon dieu. Mon dieu. Bon, je pense que c'est par là que je vais continuer, moi. Pas par là. C'est dommage qu'on puisse pas récupérer les armes des ennemis. Ok, encore des margoulins. Ah, si seulement on avait des grenades. Yes. Au moins. Allez, trois lignes, je compte sur toi. Ah, la physique quand tu tires sur les ennemis, elle est un peu bizarre. C'est très bizarre en fait la physique là. Ouais, tu tires sur leurs jambes et ils s'envolent quoi. Et la tête, ça leur... un tir dans la tête, ça leur fait rien quoi. Bah, ils ont la tête dure, qu'est-ce que je te dis, ils ont au Mexique. Hein. Une tête par balle, hein. Ouais, bah ouais. Bah là, les gens, ils ont un caractère bien trompé là-bas, tu sais bien. Mais regarde, tu vois là? Je tirais dessus. C'est pas vrai. Voilà, c'est bon. Ah, c'est toi, ok. Ah, il y en a d'autres qui arrivent de par là. Wow, merde! Fuck! Ah, ils ont failli me prendre à revers. Mais où est-ce qu'ils sont? Qui me tire dessus là? Attends, je vais reculer un petit peu parce que je me prends des coups de feu qui viennent un peu trop de je sais pas trop. Voilà, je vais me mettre là. Je comprends pas, là c'est. C'est la séquence d'action la plus balèze du monde. Avec des ennemis invisibles et invincibles. C'est bon. Ok, ouf. Voilà. Très bizarre. Ouh. Parce que quand je leur tire sur... Il y a certains, je leur tirais sur la tête et c'est pas... Je sais pas, c'est bon. À savoir. Bon. Bref, bon, je te rejoigne, c'est ça? Attends. Bon bah ça va. Bon, je crois qu'on va se rejoindre. On n'est pas loin l'un de l'autre. Je sais pas où il faut aller en fait. Donc, bah, je te vois, t'es non. Juste... là au-dessus. Ouais, en fait, faut que je te rejoigne en fait. Ouais, faut que tu me jambes parce qu'ici il y a un truc à ouvrir. Ouais. Voilà. Come on, Vincent, help me out over here. Salut copain, tu m'as manqué. Ah ouais, c'est vrai. Faut mâcher. Ok, au suivant. Oh, trop bien. La voiture mexicaine par excellence. Où t'écoutes des chansons de Cuba. Trop bien. Alors. Ça, mais tant pis. Tu vois très bien le genre. Alors. Allez. Bon, bah, allons-y. Hein. Y avait rien par ici. Ok. J'arrive. On se croirait dans Far Cry 5. Il est où le mode FPS? Hey Leo, come here. J'arrive. Tu la sens la masse d'ennemis qui va arriver là? Oh putain, ouais, mec, c'est l'histoire, tank. Putain de merde. Et on n'y est pas encore d'ailleurs, hein. on n'est toujours pas chez Léo. Mais ce mec, il a vraiment une armée à sa botte en fait. C'est ça. Alors on fait comment là? Ah, bah, on y va, on fonce tête baissée ou... Écoute, je pense que le truc le plus intelligent à faire, c'est de buter silencieusement le plus d'ennemis possible. Et puis si on se fait découvrir, tant pis, là on y va guns blazing, tu vois, mais... Genre là, lui, il y a trop moyen de le choper, non? On fait quoi? On se sépare? Bon bah ok. On peut se séparer, ouais, je pense que c'est le mieux. Fais quand même gaffe, hein. Prends pas des risques inconsidérés. Exactement. Bon, lui, je crois que je vais... Comment il me voit pas, là? Normalement, lui, je vais le choper, lui. Voilà. Ah, au moins. Merde. Sérieux? Ouais. Bon bah allez, on y va. Hein. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est bien de les prendre à revers. Je tire sur la putain, quel bon. Ouais, mais même moi, là, je fais des shots et ils en ont rien à carrer. Hein.
T'inquiète, je vais prendre. Ils sont la tête blindée. T'inquiète, je vais prendre vert. Juste placé derrière eux là. Ah, putain, magnifique. Ça, c'est de la stratégie. Contra, mesdames, messieurs. Contra. Ah, c'est bon, tu t'es occupé. Okay. Armageddon. Oh waouh, wow, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Je crois que j'ai bien choisi mon arme là, je me sens bien avec ce MP5. Ouais, par contre là c'est tendu là. Ouais, assez, mais ça va, t'inquiète, on gère. Un à la fois. Ah, il est bien caché lui hein. C'est bon. Voilà, il est mort. Ah, reste le gars à la fenêtre. C'est bon. Ok, bon. Il y a encore du monde ? Apparemment pas. C'est bien aussi parce qu'on avait des munitions limitées. Hop. Ah, en effet. Wow, il s'est téléporté lui ! Sérieux ? Décidément, on a vraiment trouvé tous les bugs de ce jeu. Putain, heureusement que ces planches de bois sont indestructibles. J'avoue ! On est bien tombé, non ? Putain. Tu peux courir mais pas te cacher. Voilà. C'est bon. Moi, je pense que c'est pas par là. C'est plutôt par là. Bah c'est plutôt par là. Ouais. Ouais. Là les escaliers. Ok, ça ne s'arrête plus hein. C'est action. Hey Leo, help me with this. Oh cool, on va encore faire du carnage. Combien de véhicules on aura détruit lors de ce jeu? Une dizaine. C'est toujours pas assez. Ouais, mais surtout qu'il y a la voiture qui se conduit toute seule, hein. Ouais, là, elle s'est barrée, hein. Ah, ouais. On la reverra plus jamais. Ouais, j'avoue, c'est dommage. Bon, allez, troisième vague d'ennemis, ou alors comment ça se passe? Non, c'est... Ah! Ok. On peut changer d'arme, là. Carrément. Et quelle coïncidence, c'est les mêmes armes que la vendeuse. Dingue. Mais tu sais quoi, c'est un indice que la vendeuse est passée par là. Mmh, voilà, trahison. Ça, c'est ça. Trahison. Clairement, c'est ça. Tu changes d'arme? Non, ça va. Non jusque-là, le MP5 m'a plutôt bien réussi. Mais. Je prends le pompe au cas où. Ouais, prends le pompe. C'est bien, ça va faire mal. Du coup, c'est par là ou pas? Ah, bah, j'ai pas l'impression, non. Alors, c'est. Ah, ici, c'était peut-être juste pour changer d'arme. T'imagines? Ah bon? Ah, ok. Alors, il faut qu'on vienne. Je sais pas. Bizarre. Ou alors t'es obligé de changer d'arme, mec. Tu crois? Bah, je sais pas, hein. Je mets des hypothèses. Bon, on va tester. Casser ah, le. Ah ouais, c'est ça qu'il faut okay. faire. Bah oui, non. Bah je reprends l'MP5 alors. Mon bébé. Ok, bah allons-y. Bah allez. Tiens, t'es où? Ah, par là. Prêt? Oh ouais, je suis prêt. 2, 3. Oh shit, get down! You're a dead man! Oh ouais, c'est le bras droit d'Harvey! C'est le bras droit d'Harvey, ouais. Mais il y a Harvey là. Ah non, c'est pas Harvey. Et bah bientôt, on va le couper ce bras droit. Oh, on va tellement détruire sa cave à vin, mec. Mais putain, ouais. Qu'est-ce qui nous tire dessus là? Ouais, par contre, couvre-moi, je crois que j'ai une idée. Ah ouais, carrément, je vois. Ah, ils sont intelligents. Oh putain. Oh, mec, à mon tour. Prépare-toi. Attends. Vas-y. 1, 2, 3. Oh, c'était trop beau. Magnifique. C'est bon, ils sont morts? Non, ils sont encore vivants, je crois. Ah, vas-y, on nique le vin alors. Ouais, voilà. Il y en a d'autres ou pas? Oh, oui. Ah, là, il y en a d'autres là en tout cas. C'est en plus une bouteille de vin française. Tiens, pour un ça. Bon saigne. Je crois que c'est bon là. Ouais, allez. Avec toute sa cuvée là. Maintenant, il y a encore des bouteilles, mais bon, tant pis. C'est déjà ça. De toute façon, il va bientôt mourir, il pourra plus rien boire. Ouais, par là. Mais pareil, genre, pourquoi on passe pas par en dessous? J'en sais rien, écoute, c'est des macho-man, tu vois, ils doivent montrer qu'ils sont plus forts que les éléments de la nature. Ah, ça y est, on y est. On y est?
Ouais, mais bon, là je vois pas Harvey, hein. Non, je le vois pas encore. Bah, tu verras, ça sera un truc à l'armoricaine, tu vois. Oh putain! Oh, mais merde, je me fais prendre Harvey là! Wow! Voilà. Wow, ouais, j'ai failli y passer, hein. Bordel! Ah, quand t'es mal placé là-dedans. Ok, bon. Il est tort. C'est pas ce qui lui est arrivé, lui. Il est tort. Pour l'Armageddon! Les talons italiens! Le barreau d'honneur! Oh, mais putain! Ils sont partout! Je pourrais pas l'atteindre avec mon pompe d'ici. Ah, bah non, hein. Ouais, moi j'imaginais qu'on allait. J'ai atteint? Non, c'est moi qui. C'est j'ai atteint avec mon pompe? Je sais pas, en tout cas, je vais tirer dessus, ça je sais. Ah, bah c'est peut-être toi alors. Putain, tu crois qu'on pompe, peut plonger? Fin! Où est-ce qu'il est? C'est bon, je l'ai eu. Ah, ok. Moi je dis on peut plonger, non? Ah, attends, regarde. Oh, non, mec, les flamants roses, quoi. T'as un problème. On y va. Par où? Je sais pas, peut-être. Bah, par là, mec. Là où je suis. Ah ouais. Get over here! Allez. 15e, 1000e porte qu'on défonce. Waouh! À la Miami Vice. À la Scarface! Putain! Say hello to my little friend! Tu veux baiser Tony Montana? Tu veux baiser le meilleur? Ah, le mec il a un lance-grenade, quoi! Donc ça va être la fin, on va le tuer là! Ouais, on va presque la fin! Allez, putain! Holy shit! Allez! C'est trop bien! C'est trop bien! Wow, ça va, mec. Ah, j'ai cru, ça va, j'ai rien eu là. Ah, j'ai cru que tu te l'étais mangé le coup de grenade là. Ah, là j'ai eu. Là c'est plutôt toi qui est en train de te prendre les ouais, grenades ouais, de Harvey. Enfoiré. Sale enfoiré. Allez, mourez. Ça va. Oh punaise, ouais, oh, wow, là, c'est chaud. Il rigole pas. Ah non, ils sont qu'il va mourir. Il fait très très attention. Ok, ça va, je l'ai eu. Et puis... Les mecs au-dessus, j'aurais du mal à les avoir avec mon pompe, mec. Hein. Ah, en effet. Bah t'inquiète, on va... écoute, tu mets-toi en bas alors. Je crois que je peux contourner. Mais il reste plus personne en bas, de toute façon, non? Allez. Tu l'as eu? Putain, trop bien. Ah, t'étais... What? T'étais sérieusement loin, hein. Wow! Putain, on a failli. Oh, trop bien. Tu lui as mis un coup de pompe et le gars, il s'en va comme ça, tranquille. Ouais, mais j'ai mal visé, j'ai eu le bras. Non, il est foutu. Bon, en même temps, il est un peu amoché, quand même, là, donc... Il est foutu, c'est pas possible. Mec, c'est vraiment un truc Scarface, hein. C'est... Là, il a la tenue blanche, il a fait la pose et tout. Don't even think about it. Slide it over. Ils s'en bat les couilles en fait du diamant en vrai. On veut juste de la vengeance pure et dure. Nous. Here you go. Ah, son flingue en or. Oh, ok. Je sais pas. Pourquoi ce jeu à chaque fois j'ai l'impression quand il y a des choix comme ça que c'est genre if you don't like my layaway. Est-ce que tu veux je sais pas. On sait très bien tous les deux qu'on va le faire souffrir, donc... Mm-hmm. Mais avec lequel va-t-il le plus souffrir? Je pense que c'est avec toi, non? Bah peut-être, mais d'un autre côté, il a quand même tué ton frère, donc t'as quand même une grosse raison de le défoncer. Moi, je suis chaud pour le défoncer, hein. Bah on va le défoncer, donc je sais pas. Allez, gigot. Allez, on va dire Vincent, ouais, allez. La vengeance pour la mort de ton fraternel. On te doit moins ça. Toi, tu gardes le flingue en or, tranquille. Voilà. Je crois que de nous deux, c'est toi qui as été le plus bafoué, quoi. Enfin, même si j'ai perdu 6 mois de ma vie dans une prison, mais...
J'allais en perdre 14, moi. 14 ans. Shut the fuck up. One more word from you and I'll put a bullet. Il sait même pas qui c'est, j'ai l'impression. Wait. Leo. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. Fou du diamant, mec. You can take it. Come on. Get up. Go. Plus comment tu veux qu'on le vende? Si déjà lui il a pas réussi à le vendre aux Émirats arabes. Il reste les Chinois. Putain, ouais. Ou Disney. Il rachète tous les gars. J'avoue. Oh, je vous en donne 20 milliards. Pour un diamant. Je le savais, en plus. Je le savais. Je sens le piège arriver. Je crois que je suis baisé un peu, là. Il va me tendre un piège, hein. Ouais, il va te prendre en otage, je pense. Oh, fuck. Ah, voilà. Merde. Oh non. Attends, tire pas. Je peux me déplacer. Ok, j'ai compris. Attends. Ah, tu. Faut que je le traîne jusqu'à... Là. Tu vas l'avoir. Ok. Voilà. Vas-y, tire. Oh, wow. Oh, putain, mec, j'étais en pression puissance 1000. C'est pas un peu trop? Oh putain, le mec! Oh, je lui défonce les boules! Oh putain! Et à la Scarface, il meurt dans sa piscine. Waouh, mec! On l'a défoncé là! Putain, c'était trop bien! C'est génial! Oh merde! Oh, voilà ses potes! More men are coming, we gotta go, come on! Mais si on leur dit juste que leur boss est mort, que... Mec, franchement... Oh waouh, et c'est pas fini! Ah, c'est un ending 10 sur 10, vraiment. Oh mon dieu, on va faire du motocross maintenant, c'est ça la récompense! Putain, je te le dis, mec, c'est la fin de Snake Eater. Il est où le Shagohod? Waouh! On n'a pas Eva avec nous. Tu vas voir, Léo, il va revenir. Enfin, Harvey, il va revenir encore en vie au bord d'un métallier. It's not over yet! C'est vrai que c'est Liquid Snake. Waouh! Putain, c'était trop bien! Mais attends, c'est pas fini, hein? Ah ouais, je sais, mais c'était trop bien comme on a tué Harvey, quoi. Genre, il a vraiment eu ce qu'il méritait, vraiment. Ah, clairement, là, on lui a mis que du plomb dans le corps, là. Putain. Allez go. Wow, putain, c'est trop bien. On va accélérer et freiner, d'accord. Bien reçu. Et vas-y, on fait la course. J'ai déjà dit que j'étais nul dans le jeu de conduite. Moi aussi, ben là, nos vies sont ton jeu, mec. Ça devrait aider. Wow. Putain, trop bien. Ah, c'est juste fun, y'a rien à dire. Yeah. Oh, cool. Excellent. Il est un peu en train de te faire tirer dessus là, non? Ouais, tout le monde nous tire dessus. Mais ça va, t'inquiète. On gère. Ouais, il faut essayer de rester le moins possible derrière eux, quoi. En vrai, on peut... Et en plus, il y a plein de chemins à prendre différents, quoi. Bah ouais, c'est bon, c'est mangé. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant... Putain, excellent! Merde, shit! Holy fuck! Putain, mec, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Maintenant, j'ai 3 voitures en train de me poursuivre, mec. Wow! Mec! Oh, ce bullet time! En plus, on le fait en même temps. Putain, trop stylé! Ah, génial! Ah, waouh! Et le timing d'où? Trop cool! Franchement, tu sais quoi? Ce jeu, pour le prix, hein. Du Mad Max Mexican Road, mec. Pour le prix qu'il coûte, ce jeu, il est vraiment waouh! Génial, mec! Ah, 30€, et franchement, ce jeu, là, c'est que des surprises, là. Et vous n'avez aucune excuse, les gens. Vous devez l'acheter, vous devez le faire acheter à un pote. Ou offrez-le à un pote, j'en sais rien. Parce que de toute façon, si vous l'achetez pour vous et que vous l'offrez à un pote, ça vous fait juste le prix d'un jeu normal. C'est excellent. Excellent.
Ah ouais, c'est bien, je suis retombé sur le terrain. Wow, what the fuck. Ah bah c'est bon, je t'ai vu. Bah ouais. Oh merde, et c'était quoi ça? Putain, je sais pas. Oh wow, what the fuck. Ah, il tire des grenades, ah, carrément. Ouais, non, regarde le bug. Regarde le bug. C'est pas grave, j'ai encore envie. Ah, je vais pas mourir ici. Allez, reprends ta vie. Putain, j'ai failli merde, mourir. Léo. Ah, j'ai... Putain. Wow. Ok, ça va, on est de retour. Mais ouf. Comment tu veux esquiver les... Je sais pas. Les grenades, ah, je crois que tu dois juste... Là, on est qu'en ligne droite, là, tu peux pas... Tu dois juste slalomer, je pense, en fait. Tu dois zigzaguer. Ouais, mais attends, là, si tu slalomes, regarde, c'est genre tu prends les rochers. Ouais, c'est là. C'est trop constructible. Oh, merde. Ah, t'es mort. Ok, donc ça va. Non, je suis pas mort. Ok, moi, je suis toujours en train de... Ok. Oh, merde, je suis mort. Tu me donnes un coup de main, là, mec. J'arrive. Vas-y, grimpe. Allez mon vieux, vas-y. C'est à toi. Putain, bullet time, vas-y, tire. Bon, trois lignes. Moteur en plus. Je compte sur toi. C'est pas le moment. Oh putain, bon, c'est marrable. Oh c'est marrable. Ah vas-y, récupère ta vie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pour le tour dans la main? Wow, fuck, what the fuck. Ok, ça va. C'est ce que je suis en train de faire là. Pourquoi? Oh ouais mec, on va y arriver. On va y arriver. Allez. Oh bordel. Allez. Ah. Allez, on te laisse là, Léo. Oh putain. Allez mec, tends ta main. Yes. Ah oh, la vache. Oh, c'est génial. Ah, je respire. Ah, ah je respire. Shit. Super. You okay? Yeah, I'm fine. Ouh. Hey Emily. Great flying. Wow. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. Got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Ah ouais. Vas-y, on serre la main virtuellement, mec. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. Oh ouais, tu m'étonnes. That's a great idea. Hey Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Putain, excellent. Génial. Ah, je respire là. Bordel. C'est pas fini, moi je dis. Quoi, tu crois encore qu'on va avoir des séquences d'action? Ouais. Oh mon dieu, non. On l'a tué le méchant, c'est pas possible. Allez. C'est dommage, t'aurais pu avoir des QTE pour écrire la lettre. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe, putain. Ah, toutes les perturbations. Ouais, c'est ça. Une zone de turbulence, tu sais, genre toute la lettre, elle est mal écrite, okay. Avec des gribouillis partout. Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. On lève ta main de là. Leo, what? Yeah. Mais spaghetti, non. Yeah. Ah, c'est toi, Vincent. On est arrivé. Back home. Bon, ça dit, c'est vrai qu'on est toujours recherché par la police. Ouais. Mais bon, si on arrive à vendre le diamant, on sera assez riche pour se faire une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Oh putain. Et ouais. Trop beau pour être vrai, hein. Ah bordel. Putain de merde.
Oh non. Oh. C'est elle qui nous a vendu. Ah, la traîtrise. Mais pourquoi? Inspecteur Gordon? Alors, Snektout, j'ai un aveu à te faire. Oui. La première, c'est que je me suis fait spoiler cette partie. Oh mon dieu, non. Et la deuxième... Tu vas jamais le croire, mec, mais... Déjà, il récupère le diamant, mais le deuxième, c'est que je suis un putain de traître. Désolé, Snektout. Et tu veux savoir une troisième chose, mec? Je n'ai jamais aimé Jojo abrégé. What the fuck? Sérieusement? T'es un agent infiltré en fait, c'est ça? Toute cette histoire, tu l'as inventée! Espèce d'enculé! Putain, j'y crois pas. Putain, t'avais une moustache avant. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? Ok, lui aussi c'était un infiltré alors du coup, c'est ça? Putain. Pleasure doing business with you guys. Ça c'est du putain de plot twist. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! Ah, je suis vraiment bouche bée là. No! 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 Et donc c'était bien son frère quand même. Ou son coéquipier. C'était son frère. Ah, c'était pas son frère, d'accord. Là, c'était pas un bon coup. Bordel. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? Putain, je suis vraiment bouche bée. It's all gonna rain down on you hard. Et t'étais juste derrière. Avec l'inspecteur Gordon, t'es sérieux? He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James? Il s'appelle James? En plus? En plus. This is the only way. Mec, c'est le commissaire Gordon. Putain. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother, my flesh and blood, and he's dead because of me.
I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. Ok, super. Voilà, merci, mec. Merci, mec. Vraiment. T'es le meilleur. Oh, la déception. Nobody move! I'll fucking kill him! Only make it worse for yourself. Tu vas voir, ça fait aussi partie d'un plan. J'ai pas peur, moi, je vous tourne le dos. Ouais, calme-toi, vieux. Là, tu sais pas où tu vas, là. Ouais, en plus. T'es cerné. Je sais pas quoi faire, hein. You don't have to do this. You're gonna pay for this. Ah, y'a peut-être des trucs par là. Ouais, poussez-vous. Poussez-vous un petit peu. Voilà. Bon, tu sais quoi? Tu sais quoi? Trois lignes. C'est un super endroit pour terminer l'épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Trois lignes Sneak Toot. Et on vous dit à la prochaine. Bisous de prise d'otage. Mouah. Surprise, motherfuckers.